a est égal à racine carrée de moins 64 n'a pas de sens, puisque le nombre qui est sous la racine carrée là est négatif, moins 64 est négatif, et il n'est pas possible de calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Voilà, ça reviendrait à trouver un nombre dont le carré vaut moins 64, ce qui est absurde. Racine carrée de 121, mais il suffit de connaître ces carrés parfaits. Quel est le nombre positif dont le carré vaut 121? C'est 11. La racine carrée de 49, quel est le nombre positif dont le carré vaut 49? Celui-là est quand même assez connu, c'est 7. Ici, attention, pour bien réfléchir, il y a un signe moins qui est là. Mais le signe moins est à l'extérieur du signe radical. Sous le radical, il n'y a que le nombre 256. Donc ce nombre-là existe bien, et le signe moins ne pose pas de problème, ça n'a rien à voir avec tout à l'heure, où le signe moins était sous le signe radical. Là, le signe moins est à l'extérieur. On aura affaire donc à un nombre négatif, mais il n'y aura pas de souci, puisque 256 est bien positif. La racine carrée de 256, on cherche le nombre positif dont le carré vaut 256, c'est 16. Et donc, avec le moins devant, ça fait moins 16. Ce nombre-là, embêtant à calculer, mais en fait pas bien méchant, la racine carrée de 16, je vais commencer par la parenthèse la plus intérieure, elle vaut 4. Ce nombre-là est élevé au carré, puis encore élevé au carré. Je réécris tout. Le carré de 4, c'est 16. Et encore élevé au carré, ce qui fait 256. Et le dernier, le petit cadeau, racine carrée de 9, qui vaut évidemment 3. Racine carrée de 9. Bon, ben, c'est exactement égal à 3. Il n'y a pas de grande différence, pas de grande difficulté, pardon. Racine carrée de 144, c'est égal à 12, pas de difficulté non plus. Le carré de 12, c'est égal à 144, 12 est positif, pas de souci. La racine carrée de moins 49, là il y a un problème, puisque moins 49 est un nombre qui est négatif. Et le nombre sous le signe radical ne peut pas être négatif. Cette écriture-là n'a absolument aucun sens. Ça reviendrait à trouver un nombre positif, mais ça à la limite c'est pas important, mais un nombre dont le carré vaut moins 49. Ça c'est pas possible. Ici, la racine carrée de moins 225, ben, le moins est à l'extérieur du signe radical, donc il ne va pas nous poser de problème. Le problème, il est au niveau du signe radical, on regarde dedans. Dessous, c'est 225. La racine carrée de 225 existe bien. Donc, quel est le nombre positif dont le carré vaut 225? Ben, c'est 15. Et comme on cherchait moins la racine carrée de 225, ce nombre-là est égal à moins 15. Ce nombre-ci, un calcul est un petit peu embêtant, il y a beaucoup de racines carrées et de carrés, mais en y allant doucement et par étapes, on va voir que c'est extrêmement simple. La racine carrée de 4, de 16 pardon, vaut 4, elle était élevée au carré, et après une autre parenthèse pour élever encore à nouveau au carré. Bon, alors on arrive à 4 au carré qui vaut 16, qui est encore lui-même élevé au carré, puis on aura terminé. Et le carré de 16, il vaut 256. Et enfin, le cadeau pour la fin, la racine carrée de 64, qui vaut évidemment 8.